Dieu surnaturel, aux œuvres surnaturelles. Un Dieu immuable, aux rois immuables, agissant d'une façon inattendue. Ainsi, fais-nous voir. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette partie du service. Voici nos dîmes et nos offrandes que nous te présentons avec toutes nos actions de grâce. Laisse que toutes les bénédictions liées à cet acte puissent se déverser sur ton peuple, tout celui qui a plongé la main dans ses corbeilles. N'oublie pas les diacres qui ont fait ce service et les administrateurs qui gèrent ce fonds. Que nous dédions entièrement à ton service. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le frère Franck Mukandila. Tsambe apambolande komobali Franck Mukandila. Qui bénisse également tous ceux qui l'ont accompagné. Apambolape bayebaliembi na ye longo. Nous avons deux communiqués. Tuzali namaye bisimi balé. Mais avant cela, il est demandé à frère Pierre Yombo. Kasi yambo te totanga maye bisi yango basengi nandeko Pierre Yombo de rencontrer le diacre Victor immédiatement. Akutana na mosungi Victor kaka sikawa. OK. Les conseils d'administration informent que notre école des dimanches veut ajouter des nouveaux encadreurs, des enfants à son effectif actuel. Litonga ya bakambi eklesia na biso bazali koyebisa eklesia ete lo na biso alomingo ezali na posa ya kobakisa babateli bana mosusu na motango ya babateli bana oyo bazali sikawa na ete ya alomingo. Ainsi lançons un appel à tout frère et toute sœur qui sentent en eux le poids de servir Dieu à l'école des dimanches. Nabongo bazali ko senga nande ko mobali tonde ko mwasi oya yokete azali na mokumba yaye ko sala na etelo ya lomingo de donner leur nom au diacre de leur juridiction respective. Ako kakopesa kombo na ye epa ya mosungi ya etuka na ye. OK. Un deuxième communiqué. Liebisi ya mibale. Le conseil informe à toute personne désireuse de rencontrer notre pasteur pour un entretien. Bakambi ya ecclesia bazali koyebisa moto nyonso alingi komona na mokengeli na biso pona kosolola na ye qu'elle veuille venir rencontrer le diacre Raphaël Mukeba, président du conseil des diacres. Ete moto ya bongo aya komona na mosungi Raphaël Mukeba, mokambi ya litonga ya basungi, qui assure l'intérim de notre pasteur. Po yende azali naino kosala mosala ya mokengeli wana mokengeli alite. Ainsi, le président du diacre sera au bureau ce mercredi 11 octobre 2023 de 17h à 19h juste. Nabongo ye mosungi Raphaël Mukeba akozala na ndako mosala awa na eklesia na mokolo ya mibale kobanda na ngonga ya zomi na sam. Mokolo ya misatu, kobanda na ngonga ya zomi na sambo. Jusqu'à 19h juste. Kino na mongonga ya zomi na libwa. Il nous est ainsi demandé de prendre des dispositions pour le respect de cet horaire. Bazali kosenga na biso ete tomilengela pona yango. Est-ce qu'il y a prière d'anniversaire ou consécration des bébés? Ezali na bato. Si les honorables diacres peuvent nous en informer. Ezali na bato basengi te babondela bango pona kokundola mibu ya mbotama to bana baelesi ya kokabana maboko ya Nzambe.
Pâques. Est-ce qu'on peut nous apprêter les mariés? Ba balani bakoki ko belema. Les mariés. Ba balani. Je crois qu'aujourd'hui, il s'agit du mariage de Frère Dieudonné Ngoy. Nazali ko kanisete lelo ya lili bala ya ndeko mobali Dieudonné Ngoy. Et la sœur fidèle Kamoigna. Pende ko mwasi fidèle Kamoigna. Pendant qu'on nous joue déjà la mélodie appropriée. Wana bazali kobete la biso ndule oyo bongi na mosala oyo. Très rapidement, est-ce que les mariés peuvent s'avancer? Wapi baba lani bazali wapi? Ok, je vois le frère Dieudonné Ngoy apparaître de loin. Namoni de Komobali, Dieudonné, Yohana Namosika. Bien entouré. Basingi et Malamu Penta. Est-ce que nous pouvons les encourager, les acclamer? Milolo wana bobe ombeli nini. Milolo maboko bobe ombeli nini. J'espère que nous sommes heureux de voir deux d'entre nous se marier ce matin. Ezali ko sepelisa biso komona mibale kati na biso kobalana. Car ils feront honneur à la parole. Ils feront honneur à la parole. Ils pourront honorer la parole ce matin. Bango bapesi liloba lokumu na tongoye. Et c'est un sujet de joie. Na bongo. Nous ne pouvons que les encourager. Tokoki kaka kobete na bango maboko. Ouais, ouais, c'est tellement merveilleux. Ezali tango moko ya kitoko penza. Je vois les frères Dieudonné Ngoy tirer quatre épingles. Nazali komona ndeko mobali Dieudonné Ngoy alati koleka biso nyonso. Ouais ouais. Et il est en train de s'avancer vers le dernier virage. Yewa nazali kobelema moke moke malembe malembe. Dans peu de temps, il pourra changer de statut. Nangonga moke akobongwana akotika kimonzemba. Ainsi dira Dieu au célibat. Akotika kimonzemba. Il ne sera plus célibataire. Je crois que son cœur est rempli de joie ce matin. Pour un jour unique comme celui-ci. Un jour qui restera gravé dans les annales de l'histoire de sa vie. Et je crois que nous pouvons nous réjouir ensemble avec lui. Nous réjouir, l'encourager par nos applaudissements. Il semble que nous sommes passifs. Et mon ami, tu es allé dans Malili. Qu'est-ce qui se passe? Tu es allé dans Malili pour bon ami. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Tu es allé dans Malili. Tu es allé dans Malili. En
pendant ce temps, que l'épouse soit déjà en place. Alors que le frère Dieudonné Ngoy est déjà ici devant. Est-ce que nous pouvons encore les encourager? Alors que la présence de l'épouse s'annonce. Et que le frère Dieudonné est impatient. Nous espérons que la sœur ne pourra pas faire traîner le frère Dieudonné. Est-ce que nous pouvons les encourager? C'est la sœur fidèle Kamoya qui fait son entrée. La sœur fidèle Kamoya. Oui, oui, c'est un jour de joie. Un honneur pour toutes les deux familles. Un honneur pour nous, l'Église. Car deux d'entre nous pourront se marier. Est-ce que nous pouvons les encourager? Voilà, je vois la sœur fidèle qui apparaît. Qui s'avance tout doucement et sûrement. Pour enfin rejoindre celui qui sera son futur époux. Oui, elle également, elle pourra changer de statut. Elle ne sera plus célibataire. Ne les regardons pas de manière passive. Est-ce que nous pouvons les encourager? Oui, réjouissons-nous avec eux. Je vois la sœur fidèle qui apparaît de loin. Pendant que le frère Dieudonné Ngoy ira à sa rencontre. Sous nos encouragements. Voilà. Le voilà qui s'avance. Bangoana basali kobelema. Voilà déjà ici devant. Maintenant, nous vous prions de vous asseoir de manière révérencieuse et respectueuse. Ces lieux et notre sanctuaire. Bovanda aweza linda koya boule. Alors que nous invitons notre pasteur. Wana toali kobenga mokengeni na biso afin qu'il puisse officier ce mariage. Pona kobuli salibala oyo. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Et nous pensons que vous êtes dans la joie de vous retrouver dans la maison du Seigneur. Je pensais que le frère Pierre était là et qu'il pouvait m'aider un peu. Il y a un frère au milieu de nous qui peut interpréter facilement en anglais. Facilement. Diacre Victor, vous pouvez m'aider, mais vous n'avez pas besoin de micro. C'est juste pour souffler à notre frère. Monsieur Victor, okoyi ko sungangai, kolobela na mikote, okoyi ka kolobela na litoi. Avant de commencer ces services, je voudrais lire quelque chose dans la Bible. C'est dans Genèse au chapitre 2. Ezali na buku, ye bandeli mokapo ya mibale. Du 21e au 24e verset. Kobanda na molongo ya tukumi bale na moko kino na tukumi bale na minei. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Yahweh azwaki mokuwa moye abimisaki na kati ya mobali pe asalaki nango mwasi. Et il l'amena vers l'homme. Amemaki mwasi epai ya mobali. Et l'homme dit: pe mobali alobaki, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Pona mbala oyo oya ali mokuwa ya mikuwa nanga pe mosuni ya misuni nangai. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je peux dire un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, c'est toi qui as uni le premier couple depuis les jardins d'Éden. Depuis lors, l'amour s'élance dans le cœur des hommes et des femmes et peuvent se choisir comme compagnons pour leur pèlerinage ici-bas. Jusqu'à ce que notre frère Dieudonné Ngoï et la sœur fidèle Kamoanya se soient choisis comme compagnons pour la suite de leur voyage ici-bas. Il est écrit que le cœur de l'homme est plein de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'était un projet, mais maintenant, Seigneur, nous voyons que c'est un dessein de l'Éternel qui va s'accomplir ici devant nous. Il n'y a que toi qui peux unir deux cœurs de sorte qu'ils puissent battre à l'unisson. C'est là que nous te prions, que tu te joignes à nos pères, pour que ce soit toi qui unis cet homme et cette femme. Parce que nous avons appris que la véritable unité, c'est entre trois personnes. Lorsque l'homme est avec toi et que la femme est avec toi, c'est là qu'il peut y avoir une véritable unité entre les deux. Viens alors, Seigneur Jésus-Christ, pour que ce soit toi qui les unis pour la gloire de ton grand et saint nom. Nous te consacrons ces services au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer cette cérémonie, à qui demanderai-je pour que cette femme devienne l'épouse de cet homme qu'il veuille se manifester? Nani moto nakokiko senga ndingisa ya ete mwasi oyo akoma mwasi ya mobali oyo. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous voudriez décliner la relation qui vous unit à cette femme. Et par la même occasion,
nous confirmer si vous acceptez de la prendre et la donner à cet homme pour qu'elle devienne son épouse légitime. Penangala wana oye bisabiso soki ondimi ete okamata ye opesa ye pa ya mobali oyo akoma mwasi na ye ya libala. OK. La sœur que vous voyez, ndeko mwasi obali komona, c'est l'aîné de ma famille. Yende mwana liboso ya libota na ngai. Ouais ouais, je suis son père biologique. Ngane tata na bota ye. Et j'accepte de les donner au frère de Doné Ngoyi. Benazali kondima ete akoma mwasi ya ndeko mobali Dieu Doné Ngoyi. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner votre place. Matondo mingi okoki kozonga nesika na yo. La sœur fidèle et la fille aînée de notre administrateur Pius. Ndeko mwasi fidèle, nde mwana ya bola, toloba mwana liboso ya ndeko mobali Pius. J'ai devrais voyager depuis vendredi. Na koka ki kobembuka uta mokolo mitano. Le vol a été reporté. Kasi batinda ki mobembo ya pepo mokolo mosusu. C'est dimanche matin. Na tongo oyo na lomingo. Et c'est dimanche matin le vol a encore été reporté. Ba loba ki ete tokobembuka lelo na tongo kasi tokoma lelo na tongo batinda ngo lisusu mokolo mosusu. Tout ça, c'était les prières de la sœur fidèle qui désirait que je puisse consacrer ce mariage. Je vais même vous ouvrir une petite parenthèse. Comme j'avais déjà demandé au pasteur Kam de consacrer ce mariage, je n'étais pas disposé à lui dire bon, comme je suis là, je peux le consacrer. Non, je n'étais pas disposé. Nazalaki penete pona koyebisa ye ete lokola na bembukite na koki kobulisa libala wana te. Comme le message du report du vol m'est parvenu hier soir, que c'était tard, je lui ai fait seulement un message WhatsApp pour lui dire que je suis là. Mais je n'ai rien dit d'autre. Lokola sangoya ete mobembo batindi yango na mikolo ezali kolanda et komela kinga lobby na komela ki kaka message moko na WhatsApp ese ete nazali kati na yebisaki ete ngande na kobulisa libala te. J'ai fait en sorte que nous ne nous voyons pas avec lui avant qu'il ne monte à la chair. Pena sala kinyonso po ete tomonana na ye yambo ete aba amata awa ne ba yelote. Jusqu'à ce que l'on vienne me chercher pour me dire que bon, il a découvert que vous êtes là, il voudrait que ce soit vous qui consacrez le mariage. Kinote. J'ai dit vraiment les choses de Dieu par moment, elles sont simples, mais la main de Dieu agit comme cela. Kinote baye ko bisanga ete mokengeli kama lobi ete lokola yo zali wana. Bulisa libala ya kobulisa yango te makambo nzambe ezalaka kabongo ezalaka pete parce ezalaka bongo. La sœur fidèle disait qu'elle souhaitait vraiment à tout prix que je consacre le mariage et qu'elle allait prier pour que le vol n'ait pas lieu. C'est ce qu'elle m'avait déjà dit quand je le lui disais. Bon, je pense que Dieu a accordé et a exaucé sa prière. Ndeko mwasi fidèle azalaki koyebisa ngai ete nalingi ete yonde obulisa libala na ngai na kosambela po ete mobembo wana batinda ngo mikolo ekolanda. Les voies de Dieu sont insondables. Bandela na nzambe. Alléluia. Ndenge ya koyeba yango te. Dieu donne les grandes choses comme les petites choses. Makambo minene nzamba salelaka yango bato kaka lolenga salelaka bango makambo ya mike. Revenons à ces services maintenant. Tozonga na mosala oyo sikawa. Tendre bien-aimé. Ba ninga mi bandeko. Nous sommes réunis devant cette assemblée et devant Dieu pour unir cet homme et cette femme dans le lien sacré du mariage lequel Saint Paul a ordonné qu'il soit honoré de tous et que par conséquent personne ne devrait y entrer avec imprudence, avec légèreté, mais il devrait y entrer avec sobriété, avec discrétion, avec sobriété,
et dans la crainte de Dieu. Et c'est dans ce saint état que les deux sont venus pour être unis dans ces liens sacrés du mariage. Ainsi donc, je me tournerai vers cette assemblée. Mais pour vous rendre libre de tout engagement, je vous demanderai d'incliner vos têtes. Je demanderai s'il y a quelqu'un dans cette salle qui connaît un motif valable, une cause juste qui peut faire que les deux ne soient pas unis dans ces liens sacrés du mariage. Qu'ils veuillent parler maintenant même. Ou désormais et à jamais se taire. Personne. Motoazalité. Je veux me tourner vers vous deux. Naye pa na binomi balé. Et vous responsabiliserez. Nalingi komemisa bino mokumba. Sachant que vous répondrez sûrement au jour du jugement. Nakoyebaka ete mokolo esambi c'est le bino boko samba. Lorsque les secrets de tout le cœur seront dévoilés. Si l'un ou l'autre connaît un quelconque obstacle, pouvant empêcher que vous soyez légitimement unis dans ces liens sacrés du mariage, qu'il veuille les confesser maintenant même. Car soyez-en rassurés. Tout couple uni autrement que nous l'autorise la parole de Dieu son mariage n'est pas légitime. Mais croyant que vous avez considéré dûment cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre, et que vous vous êtes préparé à y entrer avec sobriété, avec discrétion, avec révérence et dans la crainte de Dieu, je veux vous proposer le pacte du mariage suivant. Je veux vous demander de joindre vos mains droites et de le poser sur ma Bible. Je veux commencer avec vous, frère Dieudonné Ngoï. Joignez juste vos mains et posez-le sur ma Bible. Je veux vous proposer le pacte de mariage suivant. Je vous propose le pacte de mariage suivant. Voulez-vous prendre cette femme pour votre épouse de mariage légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de la chérir, de l'honorer, de la supporter dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, d'abandonner toutes les autres femmes et de ne vous attacher qu'à elle seule aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Yes, Pastor Adam. Merci. Nazali kolaka yango bongo. Merci.
Maintenant, je veux me tourner vers vous, sœur fidèle Kamwani. Si kawana ye pa na yo ndeko mwasi fidèle Kamwani. Voulez-vous prendre cet homme pour votre époux de mariage légitime? Ondimiko kamata mobali oyo lokola mobali na yo ya ibala oyo longobani na mibeko. Pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage. Pona ko vanda na ye na singa oyo ya bule ya libala. Promettez-vous d'élimi. Olakete okolinga ye. De l'honorer. Okopesa lokumu. De le chérir. Okolangwa ye. De le supporter dans la maladie comme dans la santé. Okoyikela ye bozala na bokono to bozala nzoto kolongono. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Bozala na bozui to na bobola. Et d'abandonner tous les autres hommes. Bozali kolaka ete okotika mibali nyonso mosusu. Et de ne vous attacher qu'à lui seul aussi longtemps que vous serez tous de envie. Okotinga makaka mobali oyo tango nyonso bino bokozala na bomo bino mibale. Oui pasteur, je le promets. Iyo mokengeli na laki yango bongo. Maintenant, j'exige les signes. Sika wana sengi na bino bilembo qui montre que ce pacte que vous venez de faire sera jamais respecté. Oyezali kolakisa ete bandai oyo bosili bouti kosala bokokoba kotosa yango. Posez-le sur ma Bible. Bocha bilembo wana likolo ya Biblia na ngai. Je veux commencer par vous, frère Dieudonné Ngoy. Nakobanda na yo ndeko mobali Dieudonné Ngoy. Vous pouvez le glisser à l'annulaire gauche de votre épouse. Le pété moko. C'est celui-ci. Fina yango na mosabi olande ya moke. Ok, prenez, glissez-le. Fina yango. Merci. Sœur fidèle, vous pouvez faire de même. Ndeko moi si fidèle. Yo pe fina lo pete na mosapi. Très bien. Vous pouvez joindre vos mains droites encore. Osimba na maboko na bino mobali. Et les déposer sur ma Bible. Bochango likolo ya Biblia na ngai. Pendant que je veux prier. Wana nazali kosambela. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous bénissons grandement ton Saint-Nom. Comme tu as permis, Seigneur Jésus, que finalement cet événement ait lieu. Comme nous ne cessons de te le demander, il n'y a que toi qui peux unir deux cœurs, de sorte qu'ils puissent battre à l'unisson et que l'un ne puisse pas supporter l'absence de l'autre. Nous prions que tu fasses ainsi. Et ces deux, Seigneur, unis leur cœur. Père, que tes bénédictions reposent sur eux. Notre prière, Seigneur Jésus, est que partout où ces couples installera leur foyer, qu'ils soient un modèle dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ, de corruption, qu'un couple peut mener une vie fidèle et vertueuse. Sois l'hôte invisible, mais toujours présent dans leur ménage, Père. Seigneur, nous te prions que tu fasses en sorte, divin roi, que s'il s'est trouvé en eux une quelconque infirmité, un quelconque handicap pouvant les empêcher de procréer, que cela soit ôté au nom du Seigneur Jésus. Rends-le fécond et capable de procréer et qu'ils aient autant d'enfants qu'ils en voudront. De même que tu avais béni Isaac et Rebecca et qu'ils avaient vu une vie longue et heureuse, notre prière, Seigneur, est que si tu tardes à venir, tu bénisses ces frères et cette sœur, qu'ils aient une vie longue et heureuse. Éloigne d'eux de maladie, Seigneur, et rends-le prospère pour la gloire de ton grand et saint nom. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous fondons sur la commission qui a été donnée à notre prophète, ton serviteur William Marion Branham, et qui lui a été attestée par l'envoi d'un ange. Cette commission qui a pourvu à ces messages pour lesquels nous avons été faits ministres et bergers sur ces troupeaux, nous déclarons cet homme et cette femme, époux et épouse,
mari et femme, et les autorisons à aller vivre ainsi pour la gloire de notre roi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc le frère Dieudonné Ngoyi et la sœur Fidèle Kamwanya sont mariés. Elingi koloba ndenge tozaboye ndeko mobali Dieudonné Ngoyi na ndeko mwasi Fidèle Kamwanya babalani. Nous allons demander maintenant au frère Dieudonné Ngoyi de nous dévoiler son exploit. Tolingi kosenga sikoyo na ndeko mobali Dieudonné Ngoyi atalisa biso likamu isina ye. Et à l'occasion de lui donner un baiser. Pe apesa ye bipwepwe yambala ya liboso. Mais le frère Dieudonné, quand nous parlons, tu ne me montres pas que tu peux faire ça. Ah, ndeko mobali Dieudonné atayo moko. Tango to solo la kanayo, otali sanga ete, okoki ko pesa bipwepwe boyete. Tu es très calme là. Ozala kamalili bopolo. Mais là, je te vois sortir un mouchoir. Ah, nayo komona o bimisi mouchoir le. Ouais, c'est cela. Quand notre Dieu a la victoire, on peut faire un peu des farces. Alors, sous la conduite d'un diacre, ils peuvent regagner leur place et s'asseoir. Calmement, calmement. Malembe, malembe. Pendant ces temps, ceux qui ont demandé de prières pour l'anniversaire et des enfants consacrés, avancez rapidement pour que nous puissions passer à l'écoute de la parole. Natango wana bayeba sengi mabondeli pona bokundola mi ya mibu na bango ya mbotama bakoki kobelema na baye basengi ete tobolisa ba la famille du frère Freddy Mutombo avec Kapinganis, n'attendez pas, vous pouvez venir déjà. Wana bazali kotanga bino bo pusana bo belema mbangu mbangu. Et donc Bukasa avec Naomi Biuma et pour les prières d'anniversaire, Aldo Kabongo avec Paradox Kachaka 16 ans, Dieu merci Kadima avec Zoé Mupemba 5 ans, Serge Mpoi avec Shekina Ngeleke 16 ans. Daniel Makoudi, 11 ans, Enoch Chitinga, 9 ans, Isaac Mpoui avec Gofer Kapiamba, 1 an, Jonathan Tchaka avec Billy Paul Mbaya, 3 ans, Tade Kalonji avec Élise Mukanku, Élisée Mukanku, 1 an, Godé Kalonji avec Archange Kalonji, 1 an. Vous pouvez avancer rapidement. Rentrer, sœurs, utilisez ici. Hein. Mes sœurs, quand vous voudrez rentrer, passez par ici. Hein. Le voile de Fidèle est terrible. Il a occupé la grande partie du temps. Il a fermé le passage là-bas. Donc difficile de passer par là.
Ils allaient pas si bon à collecter la kuna. C'est vrai. Alors nous pouvons commencer, sœur. Vous pouvez contourner, sœur. De comment si on allait goya. Vous pouvez contourner comme ça. Ouais. Nous pouvons commencer. Quelqu'un peut m'aider. On peut prier pour un enfant ici. Otoya kosunganga iri to bonde la pona elesi. Tu peux m'aider avec ou bien tu peux porte aussi l'enfant. Nous allons prier carrément. Inclinons nos têtes avec nos yeux fermés, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces enfants que tu as placés dans la famille de nos frères et de nos sœurs. C'est toi qui as veillé sur nos sœurs pendant 9 mois de grossesse et c'est toi qui as rendu l'accouchement possible. Nous ne pouvons que te dire merci, notre roi. Mais ses parents ont réalisé que tu leur as donné ces enfants. S'ils les gardent, ils le perdront. De toute leur force, ils courent avec ces enfants pour que ces enfants te soient consacrés. Comme il est écrit, étant monté en haut, tu as fait des dons aux hommes pour que les hommes puissent perpétuer tes propres œuvres. Si tu étais ici quelque part, ils viendraient chez toi, Seigneur. Mais ils ont couru dans ta maison parce qu'ils croient, Seigneur, qu'ici sont tes serviteurs et qui pourront te consacrer ces enfants. C'est là que nous venons par la foi avec ces enfants, Père, pour qu'ils passent de nos bras entre tes bras. Seigneur Jésus, je t'offre ces enfants. Je te donne ces enfants, Seigneur. Prends ces enfants, qu'ils soient à toi. Que leur vie soit une grande bénédiction, Père. Et qu'ils fassent la fierté de leur famille. Si tu tardes à venir, accorde que ces enfants, Seigneur, soient des serviteurs et des servantes dans ton royaume. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis les activités de leur père, pour que ces enfants ne manquent de rien pour leur croissance. Bénis les familles dans lesquelles tu les as placées, pour qu'elles puissent exercer une influence positive sur ces enfants, Seigneur. Accorde que ces enfants croissent en accord avec ta parole. Ce monde est corrompu, ce monde est souillé. Mais nous ne désirons pas que ces enfants soient influencés par le monde, mais que ces enfants soient influencés par le ciel. C'est ainsi que nous te les donnons par la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, comme ton serviteur, je les consacre à toi pour une vie de service. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Joyeux anniversaire pour vous autres. Mbotama et l'amour. Qui est la personne avancée aujourd'hui? Nani motumolo lelo. C'est Shekinah et Paradoxe. Tali Shekinah na Paradoxe. Où est Paradoxe? Paradoxe à l'Ouest. Paradoxe Kachaka. Ok. C'est bien. Joyeux anniversaire encore une fois. Mbotama et l'amour. Encore une fois, avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous disons merci pour les nôtres qui se tiennent ici et qui ont vu leur séjour ici-bas augmenter d'une année. Tous nous savons, Seigneur, que chaque instant que nous avons ici sur terre est un don qui vient de toi. Et tout don qui vient de toi, nous le prenons avec joie. Et avec action des grâces. Nous te bénissons beaucoup, Seigneur, pour ce qu'a été leur vie jusqu'ici. Mais maintenant, Seigneur, nous nous tournons vers la suite de leur voyage ici-bas, si tu tardes à venir. Nous prions que tes bénédictions reposent sur eux. Seigneur Jésus, nous prions que tu te révèles à chacun d'entre eux dans ta puissance de la résurrection. Amène chacun d'entre eux dans ta sphère où personne ne peut entrer que toi-même. Il n'y a que toi qui peux y amener un homme. C'est notre prière. Accorde que chacun d'entre eux te connaisse comme il ne t'a jamais connu auparavant, Seigneur. Du vin roi, tout ce qui peut être favorable, tout ce qui peut contribuer à leur épanouissement, tout ce qui peut leur rendre heureux, nous prions, Seigneur Jésus, que tu puisses leur apporter cela. Que la suite de leur voyage ici-bas
soient plus glorieuses que leur passé. Seigneur, que par ces gestes, s'il s'est trouvé quelqu'un qui est malade, au nom du Seigneur Jésus, qu'il soit guéri. S'il s'est trouvé quelqu'un qui a un quelconque besoin, nous prions que tu puisses pourvoir à ses besoins. Comme ton serviteur Pierre, je viens te les reconsacrer pour une vie de service dans ton royaume, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Puisse notre Dieu vous accorder toutes les bénédictions que nous lui avons demandées dans la prière, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse notre Dieu vous accorder toutes les bénédictions que nous lui avons demandées dans la prière, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse notre Père vous accorder toutes les bénédictions que nous lui avons demandées dans la prière, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse notre Dieu vous accorder toutes les bénédictions que nous lui avons demandées dans la prière, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse notre Dieu vous accorder toutes les bénédictions que nous lui avons demandées dans la prière, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse notre Dieu vous accorder toutes les bénédictions que nous lui avons demandées dans la prière, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse notre Dieu vous accorder toutes les bénédictions que nous lui avons demandées dans la prière, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse notre Dieu vous accorder toutes les bénédictions que nous lui avons demandées dans la prière, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse notre Dieu vous accorder toutes les bénédictions que nous lui avons demandées dans la prière, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous insistons toujours, bien-aimés, quand vous amenez des enfants, surtout des jeunes sœurs, apprenez-leur à s'habiller bien. Ne nous amenez pas à commencer à faire la police. Mais nous désirons que nos jeunes enfants, même quand ils sont petits, désirons qu'on leur apprenne à s'habiller décemment comme des dames. Comme je vous l'avais déjà annoncé, le pasteur Kam est déjà au bureau, c'est lui qui va nous apporter la parole aujourd'hui. Et il sera une très grande bénédiction pour nous pendant une semaine. Qui sont contents d'écouter aujourd'hui les pasteurs? Bon, qu'ils comprennent que nous l'aimons aussi beaucoup. Que Dieu le bénisse richement. Nous allons louer le Seigneur. Mais avant cela, nous allons d'abord saluer nos visiteurs. Par ailleurs, le conseil rappelle à tous frères et toutes sœurs que l'opération en cours est en train d'étendre à sa fin pour le mois de septembre. Et que les rapports seront donnés le dimanche prochain. Okay. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est votre première fois d'adorer avec nous. Vous n'êtes pas un habitué du lieu. Nous vous prions de vous tenir debout où vous êtes, afin que nous puissions vous accueillir. Que vous soyez dans la salle ou à l'extérieur, veuillez vous tenir debout. Souris donc, si souris donc, et tends ton visage,
Nous sommes contents de vous avoir au milieu de nous. C'était une autre manière de vous souhaiter la bienvenue au milieu de nous. Sentez-vous à l'aise, vous êtes parmi vos frères et vos soeurs. Ouais. Ainsi, pour votre information, nous nous réunissons chaque jeudi et chaque vendredi à partir des 17h. Et chaque dimanche à partir des 9h. Ainsi, toute la fois que Dieu mettra le poids sur votre cœur d'adorer avec nous, vous serez toujours les bienvenus. Je vois la présence de quelques serviteurs des dieux. Je vous prie d'avancer de votre nom et votre église de provenance. Dieu vous bénisse. Aaron Kabongo, Lys Tabernacle. Aaron Kabongo, Lys Tabernacle. Seigneur vous bénisse. Frère Patrick Kabangu, Diakra, Lys Tabernacle. Frère Patrick Kabangu, Nazaraka Mosungi, na Lys Tabernacle. Ok, que Dieu bénisse ses serviteurs. Maintenant, nous allons tous louer le Seigneur Jésus. Si cela ne vous dérange, je vous prierai de vous tenir debout. Nous allons prendre le cantique 189. Et 303. La succession nous sera projetée. Jésus m'a franchi, je suis très heureux. Jésus m'a franchi, je suis très heureux. Jésus m'a franchi, gloire et alléluia. Jésus m'a franchi, je suis très heureux. Car Jésus m'a sauvé, je suis très heureux. Jésus m'a sauvé. Je suis très heureux, Jésus m'a sauvé, gloire et alléluia, Jésus m'a sauvé. En vous traite le ciel, moi j'ai pris la victoire. En vous traite le ciel, j'ai pris la victoire. En vous traite le ciel, j'ai pris la victoire, gloire et alléluia. Nous nous sentons si bien en parlant du bon Seigneur. Oui, nous nous sentons si bien en parlant du Seigneur. Merci. Continuons, continuons à parler du bon Seigneur. Merci. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Oui, nous nous sentons si bien en parlant du bon Seigneur. Oui, nous nous sentons si bien. Merci, continuons, continuons, à parler du bon Dieu. Merci, continuons, continuons, à parler du Seigneur. Oui, le table n'est pas cela, parler du bon Dieu chemin. Le table n'est pas cela, parler du Seigneur. Merci, continuons, continuons, à parler du bon Dieu. Merci, continuons, continuons, à parler du Seigneur. Le table n'est pas cela, parler du bon Dieu. Le table n'est pas cela, parler du Seigneur. Merci,
continuons à parler du Seigneur. Oui, je l'aime, je l'aime. Quand j'aime Jésus, parce qu'il me parle très bien. Il est très bien. Il y a qui pense à l'initiation de moi. Yeah.
source. Alléluia. Alléluia. Nous sommes écrits pour Jésus-Christ. Ah, d'accord. Oh là là, que Dieu vous bénisse ce matin. Espérance Tabernacle, que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai suivi quand on conduisait. J'ai un petit problème de... On peut d'abord couper ça. Quand on conduisait le mariage... Na silaki kolanda wana ba silaki kobulisa libala. Le président qui revenait toujours à dire mais pourquoi vous êtes froid? Mo kambina lo sambo wala ki kozonga kolbatango nyonso ete pona nini bo zalaki malili. Bon. J'ai suivi qu'il a dit ça. Je n'invente rien. Il ne faudrait pas que moi aussi j'ai la même impression. David disait, je suis dans la joie quand tu me dis, allons dans la maison du Seigneur. David dit, dans cette maison du Seigneur, une bonne attitude peut déjà vous apporter une bénédiction. Nous n'avons pas besoin d'avoir une vision pour savoir que le Seigneur est là. Lui-même a déjà dit, là où il y a deux ou trois, je suis là. C'est elle, Ataroi. Ataroi, hein? Ce qui veut dire? Ah! Tu peux ne rien voir ou ne rien sentir, mais lui, il est là. Alléluia. Amen. Et moi, j'en ai fait l'expérience dans ma vie. Dieu a fait quelque chose là où tu ne pensais pas qu'il peut le faire. Amen. Amen. Si cela voulait, on peut l'acclamer un peu. Nazaka fort pour la forcer, cocotte sa onction. Nazaka fort na bilokoan. Nazaka fort na bilokoan. Malgré l'âge, mais nazaka fort. Je ne vais pas parler de pasteur Jean parce que ça nous donne des témoignages qui sont des souvenirs qui sont pas bons. Nangi kolobate na tina na mokenge lipo ezali kopé. Jean. Pour ezali kopé sa te babikanisu les ali. Le pasteur André l'avait demandé lui et moi de nous occuper de l'île de la vallée de Lubumbashi là. Mokenge André a senga kayé na ngai toka matana na mokumba na folo na lobo. Nous sommes arrivés dans une église qui était divisée. Frère, je vous dis que cette église-là, c'était comme un réfrigérateur.
bandeko nazali kobana bino ete eglise oyo wana ezalaka lokola esika na malili. Vous vous mettez la chair, vous sentez même la froideur qui vient. O telemi ne ba yelo pona kote ya oyoka ta malili ko ta kati na bandimi ko ya po ekanga yo. Il fallait être fort pour changer l'atmosphère. Et segelo sala makasi pona ko bongo la zebi oyo wana. Ngana saka capable de changer. Moi je suis capable de changer. Amen. Amen. Mais ce matin, je voudrais vous dire que je me tiens ici avec toute l'humilité dans mon cœur. Parce que je sais qui vous êtes. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Et à ce titre-là, je dois m'humilier devant le peuple de Dieu et je sais que c'est l'œuvre de Dieu qui se fait ici. Et je sais que cette épouse dans le message, c'est la seule chose que Dieu supporte encore dans ce monde aujourd'hui. Tu peux te sous-estimer comme tu le fais là. Mais Dieu ne regarde même pas ce que tu penses de toi. Dieu voit, regarde ce que sa parole dit de toi. Et ce que vous êtes, c'est vous le peuple de Dieu sur terre aujourd'hui. Malgré vos faiblesses, amen. Amen. Lorsque Balak a appelé Balaam pour maudire le peuple, Tango Balak abengaka Balaam pour yakolake la Israël et mabe. Vous-même, vous savez que Moïse et ce peuple, ça ne marchait jamais bien. Bino moko bebete Mose na liboto yowana makambuzalaka pensa ko simbate. Ceux qui bayokani na Tongo na poko baswani. Ceux qui baswani na poko na donc c'est le juif soit un peuple difficile. Bayuda libota moko ya nkoko sopona ko kamba. Amen. Amen. Mais quand Balaam a regardé, kasi tango Balaam ye atalaki, les autres yeux se sont ouverts. Misoyo mosusu efungwamaki. Et il dit Balak, pe alobi na Balak, le peuple que tu m'as appelé pour maudire, libota aposili kobenga ngai pona kolakela mabe. Dieu me dit qu'ils n'ont pas une demeure sur la terre. Je ne vois pas d'iniquité en Jacob. Je les vois sur une montagne. Et en eux, il n'y a pas d'iniquité. Ah, quand on parle d'Israël, vous pouvez crier. Mais moi je vous dis qu'il n'y a pas d'iniquité en vous ce matin. Nous sommes sans tâche à ses yeux à lui. Si vous êtes pécheur, c'est que la croix a échoué. Mais cette œuvre est parfaite. Et quand tu crois dans cette œuvre, Dieu ne te pardonne pas. Il te justifie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il n'a jamais péché. Et frère Balaam dit dans la brèche, lorsque le livre a été scellé au ciel, nous étions scellés avec le livre.
Les ridelles qu'on a vues sur terre, ridelles que toi tu connaissais là, ce n'est pas celui que Dieu connaît. Celui que Dieu connaît était scellé avec le livre. Oh. Frère, c'est William Branham qui l'a dit. Et quand l'ange descend avec le livre, il descend avec vos noms. Et qu'est-ce qu'un nom? Les noms, c'est la nature. Alléluia! Ta vraie nature, ce n'est pas celle à laquelle les hommes regardaient. Ta vraie nature était scellée dans le livre. Et cette nature-là, elle est en toi ce matin. Parce que dans l'Apocalypse, Jean te représente. Il est le type de l'époux. Quand il a eu le livre, on lui a dit ne mets pas sur la tête. Mange. Où se trouve le livre ce matin? Il est en toi. Alléluia. Amen. La nature de Dieu est en toi. À cause de cette chair, quand tu fais une erreur, tu pleures. Tu pleures. Dieu ne regarde pas ça. La vraie nature ne cherche pas à payer à pécher. Ne cherche pas à déplaire à Dieu. J'ai dit comme Balaam, il n'y a pas d'iniquité dans l'espérance tabernacle. Alléluia. Amen. Et si tu vas quitter ici pour dire je vais aller faire le péché, aller faire c'est ta nature. Les élus qui m'ont entendu, ils n'iront jamais faire pareil chose. Alléluia. Amen. Onction boyena na bandata côté à terre. Pour gagner du temps, je voudrais d'abord remercier le pasteur Rudel. Je vois qu'il est allé assis là-bas. Un frère très humble. Vous vous rendez compte? J'étais proche de pasteur Jean. Je venais prêcher dans cette église quelquefois. Mais je n'avais jamais connu le pasteur Rudel. C'est-à-dire même le voir. Il y a une spécialité à Komi Bomba. Ami Bomba qui m'a dit, vraiment, c'est un frère. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu travaille avec ceux qui se cachent. Vraiment, que Dieu bénisse le pasteur Rudel. Zambé à Pambola, Mokengeli Rudel. Omoni ata isiko ofandiwana. Ozakaka pasteur. Ce n'est pas ce qui fait de toi pasteur. Dans une fête, on voulait mettre un roi que. On avait mis un truc pour le roi. Le roi dit que laissez-moi m'asseoir n'importe où. Partout là où je suis toujours le. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit
Alors, pasteur, merci pour la confiance et l'invitation. Que Dieu te bénisse richement. J'ai dit devant ton église, tu as tout mon soutien. Si quelqu'un venait te dire, Mokengeli Kama dit ceci contre toi, dis à cette personne que tu es en train de mentir. Amen, amen. Amen. Je voudrais aussi remercier tous les vaillants serviteurs de Dieu qui servent cette église autour du pasteur. Raph, que Dieu vous bénisse. Tous les diacres, soyez bénis du Seigneur. Tous les administrateurs, soyez bénis, les huissiers. Depuis que Rudel est là, c'est la première fois que je viens ici. En tout cas, soyez bénis du Seigneur. Je suis convaincu que l'œuvre est dans de bonnes mains. Et je sais que par sa grâce, nous nous retrouverons de l'autre côté. Je ne puis terminer ce petit adresse. Dernièrement, dans mon quartier, j'ai une nouvelle voisine. Ah, vraiment. Chère maman, que Dieu te bénisse richement. Vraiment. Que ce soit à toi ou à tous les serviteurs, j'avais beaucoup de fleurs à vous jeter. Mais le temps nous fera défaut. Frère Caleb est où? Bon, voilà. Vraiment, ce frère m'avait marqué la manière qu'il était attaché au pasteur Jean. Chaque fois que je le vois, je lui dis, toi, tu m'avais marqué. Oh, bien sûr. Mais j'aime Maman Lys. Et là, une chose qui me marque, quand je la vois avec sa chevelure naturelle, je dirais ensemble avec toutes les sœurs qui ont leur chevelure naturelle, que le ciel vous bénisse richement. Ça peut paraître dur, mais les mèches ont envahi le message. Les prédicateurs du message, nous avons failli devant ce démon-là des mèches. Et moi, si je vois un prédicateur, un pasteur qui a réussi à garder les femmes naturelles, en tout cas, je dois tirer mon chapeau devant ces pasteurs. Parce que les femmes dans cet âge, elles sont une puissance. Je vois que les mèches, c'est un piège pour le message aujourd'hui. Mais je voudrais dire aussi aux sœurs, c'est un test de la nouvelle naissance. Oui. Parce que Frère Abraham dit dans les noms des blasphématoires, il dit que tous ces artificiels-là, c'est la preuve que Christ n'est pas dans le cœur. Donc ne nous posons pas de questions. Quand tu vois une sœur qui a des mèches, c'est Christ qui n'est pas là-bas. C'est la preuve que Christ n'est pas là-bas.
Parce que si Christ est dans ton cœur, tu ne vas pas nous amener toutes ces histoires-là. Et frère Branham regrette même disant ce qui se passe aujourd'hui. C'est la même chose que dans le jardin d'Éden. C'est une citation grave. Il dit que les hommes ont tourné le dos à Dieu. Ils ont choisi leur femme. Je m'en fous na koloba nga na koloba. Parce que azote le melon na butu na chambre, loba lisusu. Loba contre les mèches. Ozaki olanda pasteur na yo sigo tonga na yo sigo. Je ne veux plus parler contre les mèches. Tu connais ta faiblesse. Mais un fils de Dieu ne peut pas aliéner la parole pour n'importe quoi au monde. Alors les sœurs qui ont leur chevelure naturelle, soyez bénies du Seigneur. Amen. Amen. J'avais dit au pasteur que mon sujet, je vais parler. Ça va un peu. Je vais parler concernant les jeunes, les aider dans une certaine manière. Na lobaki na mokengeli ete mokonza nangaye kozala lulenge moko akoloba kosalisa bilenge na mutindo moko boye. Mais comme c'est la parole, ça va aussi nous concerner nous aussi. Kasi lokolo yango ezali liloba ekotala ata ko biso pe mikolo. Mais mon titre, j'ai intitulé ce sujet-là, la responsabilité pastorale dans le processus du mariage. Si quelqu'un se pose la question, mais pourquoi le pasteur comme est venu pour la première fois, mais il parle aux jeunes? Na bongo soko moto akoki komito na moto na pona ni mokengeli kam ayeya wapona balaliboso kasi mokonza ni taleli bilenge. Naloba, nanengaloba eloko yo. Bon. Ngai na teya ka lesusu te pona kozala spectaculaire. Ngai baebi ke passer kama azali. Donc nalingi te na teya lelo pona zala spectaculaire. Ba David bango bazala na bilenge, alingi yo na teya, hein? C'est comme Amenedi Toubapé, si jeune frère, mon cher, à côté, si jeune aïe, rendre service en dehors de la volonté. Donc, n'a pas ser naïe à en dehors de la volonté de Dieu. Ludini Jikema Jikem. Ludiba Mina Kajilu. Ludini Haluji. Ah, Zambirangaï. Mais le blé, quand il est mûr, il se court. Kasi, wana li sangwe teli engumba maka. Ngai na koya wa te na te ya pona za la spectaculaire. Moi, je ne peux pas venir ici prêcher pour faire des spectacles. Ce qui est na spectaculaire, na za la nango n'église na ngai. Amen. Amen. Mais je venais de faire des réunions avec les jeunes gens de mon église. Na ota ya ko sala mayanga ni mibale na bilenge eklesia na ngai. Et ce sujet-là des enfants est encore sur mon cœur. C'est ainsi que j'ai dit au pasteur, je viendrai pour aider nos enfants. Est-ce que je peux aider les enfants? Ok. Batu balingi koza la spectaculaire, bangoy. Bangoy. Hein? Nate, soki nate, azotu la pe, boyo kaki ndenge nate yake, hein? Pasteur, mais tout le monde m'a dit quelque chose, toi tu ne m'as pas dit. Gabi frère, nazaki kosa la cotation te. Yo te le bazam, na côté yo te. Est-ce que nazo côté? Pona le bagage c'était bien, ce n'était pas bien. Ezala mabe, tous les jours ne sont pas les mêmes. Hein? Ezala malam, kasi mulimunde salaki. Si on a la pêche au côté. Autant le pasteur comme le bâti que c'était bien. On a côté, on a côté. Zamende à côté. Amen. Amen. Nous pouvons honorer la lecture.
En tout cas, je ne voudrais pas abuser de votre temps. On m'a dit qu'on a commencé en retard, mais moi aussi je ne vais pas en profiter. Je tout ça midi moins 20. Hein? On peut terminer à 13h? Sans problème. Hein? Bon, ce qui est 13h et Kobi dans la télémissie, on va continuer mercredi. Et vendredi, jeudi et vendredi. D'accord, Kitoko. Problème exact. Donc prenez Proverbe. Bokamata, Bokunama Sese. Proverbe chapitre 3. Ma Sese, Mokapanango Yamisato. Nous lirons du premier verset au verset 8. Tokotanga, Banda Etenaliboso, Kino na Mwambe. Alléluia. Amen. Je vois que c'est déjà là-bas. Nous lisons au nom du Seigneur. Mon fils. C'est un père qui parle à son fils. N'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Boyoka, est-ce que vous croyez à ça? Car mon enseignement et mes préceptes, ils prolongeront les jours et les années de ta vie. C'est toi qui as dit Amen? Non. C'est lui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. Amen. Et ils augmenteront ta paix. Alléluia. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le à ton cou. Écris-le sur la table de ton cœur. Le cœur, c'est une table, on peut écrire dessus. Qui acquerra ainsi de la grâce et une raison sainte aux yeux de Dieu et des autres. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ce matin, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes chantiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Moi ici. Et quand vous me voyez ici. Moi ici. Un chrétien ne parle pas de lui comme ça. Mon Christ soit tout à kato le bongo. Ngaï. Oh moi. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Banga Yahweh. Ce qui est mon frère, ngaï, azoba nzambete. Parce que si tu crains Dieu, tu diras plutôt que le Seigneur. Alléluia. Détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles. Et un rafraîchissement pour tes os. Bénis ta parole, Seigneur. Parle à nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, merci. Je souhaite toutes les bonnes choses aux mariés. Que Dieu vous bénisse. It seems you don't understand the French, only English. Is that true? Ok, God bless you. Zambe apambola yo. Happy to see you. Thank you. Amen. Amen.
Donc c'est avec ce sujet que je vais essayer, comme je l'avais promis au pasteur, que je vais parler aux jeunes gens. C'est comme nous venons de lire. Mon fils, garde mes enseignements. Vous comprenez que c'est un père qui parle à un fils. Vous allez consoler awa ezali tata moko o ajali kolobela mwana ne ya mobali. Et nous croyons nous tous. Moi et vous. Nous sommes tous les fils de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Et Dieu seul est notre père. Vous pouvez dire cela amen, non? Mais pour cette leçon, je vais vous montrer un autre père dans le cadre de cette prédication. Mais avant de vous montrer ce père-là, un petit commentaire sur ce que nous venons de lire. Mon fils, garde mes enseignements, garde mes préceptes. Et le père dit au fils, si tu gardes mon enseignement, si tu gardes mes préceptes, cela va prolonger les jours et les années de ta vie. Si tu gardes mon enseignement, si tu gardes mes préceptes, tu as la paix. Mais mon enseignement va augmenter ta paix. Si tu avais la paix au niveau 4, avec cet enseignement, ta paix va monter au niveau 9. Alléluia. Et quelque part la parole dit, cet enseignement sera la santé pour ton corps. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait avoir la paix? Quelqu'un qui voudrait voir sa vie prolongée? Vivez les enseignements de votre père. C'est Dieu qui le dit. Quand vous suivez ces enseignements, quand vous les gardez, Dieu va veiller à ce que cela augmente ta paix et que cela prolonge les années de ta vie. Moi-même je dis amen. Alléluia. Amen. Pour ce matin, quel est ce père dont je voudrais vous parler ce matin? Amen. Amen. Est-ce que vous direz amen? Amen. Balance-nous, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Le prophète doit nous montrer un autre père ce matin. N'est-ce pas moi qui t'envoie paragraphe, je ne sais pas combien là. Besoin qui papier wana? Hein, mais ceux qui vous posent à l'après, non? Ok. Totanga, William? Totanga, non? Na monnaie, on a vu mon boulot, na elo comme vous voyez. Bon, la gota, la tire, la bombe, ça, la bombe, quoi. Ok. Oh là 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 là. Mon fils. Mwana nangaya mobali. Garde mon enseignement. Batela malakiso yangai. Alléluia. Amen. Victor Namoni. Odnate nangai zana danger kokwe la mesa we. La changona no wa. Écoutez frère Branham. Boyoka ndeko Branham azali koloba. Parfois je prêche très durement.
Dites d'abord amen. Amen. Parfois je prêche très durement. Parce que je vois quelqu'un sortir de la ligne. Quand quelqu'un sort de la ligne, il faut prêcher durement. Reviens dans la ligne. Alléluia. Yes. Et vous voyez, on est censé faire cela. Yoka. Suivez. Un véritable papa le fera. Tata oyo ya solo akosala yango. Malheureux biso ba papa yango. Dans la famille, Dieu nous donne d'être dépositaire de la discipline. Na libota nzamba liko tabiso tozala bazongi sina alima. Et ça les enfants n'aiment pas papa pour ça. Oyo wana bana balinga katata te pona yango. Quand papa la discipline, la maman tue l'amour. Tango tata zali kozongi sa alima mama ye wana nde akobinda bana. O pimele biloko kole na butu mama yibi biloko akeyi. Quand tu prives un enfant à manger la nuit, la maman va venir avec. Réveille-toi, prends, mange. Jatun. Mange. O gabo kokula tikene zali. Il veut te laisser dormir enfamé. O gabo kokula tikene zali. Alinga tikola la nsala. Moi au monde sous nous ça. Mais si mes os ça la passe. Tu te tombes. Mange les foufous. Sœur, tu es en train d'abîmer la famille. Parce que là, tu voudrais que l'enfant voie que maman m'aime. Mais la discipline de papa, c'est ça le vrai amour. Et ce que tu fais là, tu es en train d'abîmer l'enfant. Alléluia. Amen. Branham dit qu'un véritable papa le fera. Branham a dit que tato yo solo a kosala yango. Qu'est-ce qu'il fera? Eloko nini a kosala. Il vous secouera. A kosukuma yo. Et il dira. Père Koloba. Hey, rentre ici dans la ligne. Wana ali mananzela. Branham dit que si c'est un véritable et authentique père. Branham a dit que soki azali ya solo solo pe tato ya malamu. Ainsi, boye, parfois votre malamoussou, mokengeli. Espérance, le bala la toulou. Ah oui, ça le collabola. Alors le bala to. Bozotangate. Même en touché l'angouane, nous l'ouelandou. Nana tika kabongo, pobino boyamba, boko biswe tikali. Parfois votre pasteur. Parfois votre. Est-ce que cette église a un pasteur? Église Bozali na Mokengeli. Vous en avez un? Bozali na Mokengeli awa. Parfois votre. Mbala mususu Mokengeli na bino. Doit s'en prendre à quelque chose. Atina mikokamata na neloko moko. Aimez-le vraiment beaucoup. Bolinga ye pensa mingi. Pourquoi? Pona nini? Parce que. Poete. C'est un véritable père. Azali tata oyo ya solo. Dans une église. Dans une église. Le pasteur a le sentiment d'un père. Mukengeli azali na mayoki ya tata. J'ai amené mes deux gaillards, Enoch et Joël Sola. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui peut aimer un enfant plus que son père. Ngai na yebite na mokilo yo moto o akwe kolinga mwana koleka tata na ye azate. Quelqu'un qui te parle mal de ton père, il te cherche la malédiction. Moto wali koya kolobela kayo mabe na tata na yo azulu kelo bilakeli mabe. Ton père, c'est même Dieu que tu vois avec lui. Tata yo ndenza wali komona na miso. Frère Brunet me dit, tu comprends mal koloba. Ton père t'a aidé au moment où tu ne peux pas t'aider toi-même. Tata na yo asali sa yo asunga yo na tango kai komisali sa yo mon côté. Quand tu avais un an, qu'est-ce que tu peux faire de toi-même? Même à 5 ans, qu'est-ce que tu peux faire de toi-même? Mais
un enfant qui importune ses parents, moi ça ne marche pas. Moi no yazali ko sakana na baboti na ye et pananga ekolekate. Un papa sacrifie sa vie pour ses enfants. Tata azali ko pesa mbeka pomo ina ye pona bana na ye. Tout ce qu'il fait comme travail. Nyo sali ko sala lokola musala. C'est pour les enfants. Ezobe pona bana. Et tu ne peux pas, parce que tu as 18 ans, tu commences à avoir une barbe. Ah toi papa, ah toi papa, ah toi papa. Comme la mibuzo mina mwambe obimi mande fondo bandi komona tata no lokole no komoko boye. Oyo tata, oyo tata, oyo tata. Grand monsieur, sois quand même sérieux, non? Mobali obomona ni pe mobali na miso na bato kasi zala ne yongi. Alléluia. Bon, allons-y. Tokende. Un pasteur doit s'en prendre à quelque chose. Bram dit que aimez-le vraiment beaucoup. C'est un véritable père. Pour vous. Donc le pasteur Ruidal. N'est pas seulement pasteur. Il est père pour cette église. Azali tata pour l'église. Et si le père, ses enseignements vous donnera la bonne santé. Ses enseignements prolongeront les jours de votre vie. Ses enseignements augmenteront votre paix. Et je voudrais aussi dire quelque chose. Branham nous a dit d'encadrer tous les jeunes ministres. Nous mais il n'y a que le pasteur qui positionne l'église. Je vais positionner cette église. L'onction sans discernement, ça ne vient pas de Dieu. Et pas quoi, Zanga li so soli et outi n'ensemble te. Le Goulangayo n'a pas la capacité de se faire l'erreur, n'a pas corrigé. Ah, on consacre la magamone, belenga n'a pas ni kaboui. N'aï n'a pas ni kaboui. Je vous dis, frère, n'aï n'a pas de colis sur Bangoui. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne l'ai dit jamais. Je ne l'ai dit jamais. Ngana zagabo. Ti aussi ici. D'ailleurs, ngana fanda kasi ma chère, t'es na fanda kani. Alléluia. Amen. C'est le pasteur qui positionne l'église. Mokengeli nde apesa ka malakisi pona ko pesa eklese esika ko tele ya malamu. Il cherche à vous garder en lit. Azali kuluka ko batela bino na aliment. Yoka en effet. Na boye. Il veille sur votre âme. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ayant fait de lui un surveillant de l'église. Maintenant, vous devez aussi veiller à cela. Veiller à quoi? À savoir que ce pasteur, c'est notre père. Alléluia. Amen. Espérance d'Avenac. Espérance Mongombo. Est-ce que vous avez un pasteur? Alléluia. Amen. Si vous croyez le prophète, cette citation vous dit que Riddle, c'est le père de cette église. Son enseignement. Alléluia. Amen. Va prolonger les années de votre vie. Son enseignement va augmenter votre paix. Son enseignement sera comme la santé pour votre corps. Alors ce matin, comme je l'avais dit au pasteur, je voudrais qu'ensemble avec les jeunes gens, nous découvrions si votre pasteur a un rôle à jouer dans la procédure du mariage.
Dans les choix d'une épouse, le prophète dit qu'après la vie éternelle vient le mariage. Nous sommes ensemble avec ça. Moi, je me pose la question. Comment ce pasteur, un homme, peut vous conduire dans la chose difficile? Il vous conduit pour la vie éternelle. Et qu'il manque de vous conduire dans ce qui est secondaire, le mariage. Ayant même de mes collègues pasteurs qui disent que le travail du pasteur, c'est seulement comme les frères sont là. Je ne sais pas où ils se sont connus, où ils se sont dans quel état. Moi, mon travail, c'est. Vous savez, et cette histoire sort dehors. Mais les Camerounais bimini libanda. Soki moninga Bali. Soki moninga Bali. Sepela. Ok. Bon, sepela na bino. Mais mariage zambe na saliango. Kolo mariage zambe. Ye pas zo sepela na inyo na yon. Je voudrais ce matin que nous découvrions ensemble. Na kolingeti na tongo le loto kundo le biso banso elongo. Nazana comme expérience mouquée. Bolim Bisangaï, vraiment, je me tiens ici avec un cœur humble. Mais ceux qui ont le âge, ils ont un message, ils ont dit pour le yengete. J'ai 43 ans dans le message. Et ça est bien quand même. C'est beaucoup. Parce que 43 ans, ils ont une expérience. Hein? 43 ans dans les messages. Yonkutu, peut-être les amis bouna ya botamate, non ne kokite. Mais ngai 43 ans nazaka na branam oyo. 43 nazaka na branam. 43 nazaka na branam, ngai kaka na branam. Hein? Ndeko. Je suis fier de mon ignorance. Nazana lipambu na boinga na ngai. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Matondi mingi. Avec ma petite expérience, j'ai beaucoup entendu. Nambikela na ngai ya moke na yoka ya mingi. Pasteur Azo salanga calme. Mokengeli est en train de m'empêcher. Pasteur Azo changa calme. C'est le pasteur qui met pour moi des barrières. Sugo Azo changa calme. Ponga na yoko ba la fille wana bien deni. Tala makambo. Nako changa calme. Donc, tu sais où elle est langa na yoto ko la fille wana. Donc, sugo, kanisa na intérêt ni ni personnel nga na changa calme. Pasteur beba calme. Nako changa ba calme kaka. Frère, vieillard, est-ce que nous avons Aaron, est-ce que nous avons ce que vous avez vieux, vous avez dit que 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 vous avez après la vie éternelle, c'est le mariage. Si vous avez dit que amen. Amen. Et quand vous faites un vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je donne seulement un petit exemple et je continue. Quand j'étais encore diacre en Mbujimayi,
Frère, excusez, quand je cite les noms de ceux qui nous ont précédés, ils sont dans la gloire. Bande kobolim sawana na kotanga ba kombo ya baoba si ba kufa ba si bazali na nkembo. Le papa de mes frères ici, c'était mon président du conseil. Tata ya bande konangai oyo azalaka mokambi na biso na basungi kuna na mbujimai. Il nous attend de l'autre côté sûrement. Azali ko sele biso na ngambo kuna na kondimisa masolo. Un frère voulait se marier. Bende kombali moko lingai kobala. Nous sommes allés voir les parents de la fille. Il y a un frère qui voudrait, il a jeté son dévolu sur votre fille. Le papa a commencé à rire. Mais la foi et l'amour que j'ai pour elle, dès que je la marie, les urines vont s'arrêter. Kondima, napolingo nazana ngoponaye, soki kaka na bali epe masube kati. Ceux qui ont connu Barnabas savent quelle grâce Dieu avait donné à son frère d'être persuasif. Ba oyo ba yeba Barnabas, ba yebingo lunini nzambe apesa na ndeko mbali wana po alindimisa yo likambo. Il a parlé, il s'est fatigué. Moi, j'ai parlé, je me suis fatigué. Nous étions obligés d'aller persuader au Père que non, toi et nous, nous n'avons pas la foi. Nous venons de découvrir une grande foi. Et le papa ne pouvant pas résister au diacre que nous étions. Il a cédé pour que le frère marie la fille. Frère, dans moins d'un mois. Bonjour frère, et tu dis qu'il y a toi. Oh, il n'y a pas cité. Et tu dis qu'il y a toi. Oh, il n'y a pas si aboyé na kokokate. Et cela est arrivé aux oreilles de Barnabas. Et comme na matoi na Barnabas. Quand il aime bien aimer pas jusqu'au bout, il a suivi le frère. Alandi de combat luana. J'apprends que tu murmures. Nous tous ici nous souffrons. Et que c'est Oyangaï et les qui a battu Nyonso. Vous savez que le frère a divorcé de cette femme. Bon, vous avez accepté d'être des brebis. Laissez-vous conduire, non? Aussi les condiments qu'on a la bampate, boutique, bokambama. Quand vous n'avez pas confiance au conducteur, il ne fera rien de bon pour vous. Pour comprendre si le pasteur a un rôle à jouer dans les procédures de mariage, d'abord voyons quelle est la place que le mariage occupe dans une église. Nabongo nanu totala. Et si kanini libale ay kozwa kati na eklesia. Dis lancez-nous identifier à Christ. Amen. Amen. Nous pouvons lire, n'est-ce pas? Tokoki kotanga. Et il se trouve aussi que
ezali komonisama amen amen. Il se trouve aussi que ezali komonisama bete les foyers mabota amen hein? Amen, c'est le mariage non, ezali libala te qui sont les piliers de la nation oyo ezali makonze na ekolo et de l'église. Il y a ecclesia. Se trouve que les foyers sont brisés. Et vous allez comment ça mettre ma beauté en haut. Mais vous allez à Kokabwana Kabwana. Je préfère lire chez moi ici. Vous allez pour se préoccuper que pas nanga yawa. Parce qu'il y a un terme que j'aime. Ici. Oh, et zali nan koma moko na ko se pela na yango. Qu'on a écrit chez moi. Parce que j'ai médité sur base de ce qui est écrit chez moi. Oh, na manyola ki likona we koma mi pa inangai. Ici il est dit ceci. Ah ouais, l'obami boye. Et aussi, lisusu. Nous trouvons que toi kokotete les foyers yoka. Pota qui sont la colonne vertébrale. Oh wa pezali moko wana mokongo de la nation. Ya ekolo et de l'église. Ya ecclesia. Nous trouvons toi kokotete que des foyers sont brisés. Ma pota mazali akopanzana dans une église. Na kati na ecclesia. Qu'est-ce qu'un foyer? Li bote zali nini? C'est une colonne vertébrale. Et zali mokuwa ya mokongo. Alléluia. Amen. Le foyer est une colonne vertébrale d'une église. Li bote zali mokuwa na mokongo ya ecclesia. Et je vous dis, mes bien-aimés, si vous me voyez debout devant vous ce matin, c'est parce que ma colonne vertébrale est normale. Et allez vous enterrer auprès des médecins. Un homme moto dont la colonne vertébrale est brisée, même s'il a des gros muscles, il ne se mettra jamais debout. Malgré s'il a des gros biceps. Alléluia. Amen. Lorsque la colonne est brisée, cet homme ne tiendra pas debout. Mais laissez-moi vous dire, dans le cas contraire, un homme moto qui n'aura même pas de muscles, qui n'a peut-être que de la chair sur les os, si la colonne vertébrale est solide, cet homme se tiendra debout. Et il pourra même faire quelques activités. Parce que c'est la colonne vertébrale qui est solide, qui va l'aider à se tenir debout. Et si Bruno me dit que dans une église, c'est le foyer, la colonne vertébrale. Vous devez savoir, une église ecclesia moko qui est faite de colonnes vertébrales, de foyers brisés. Oh, et salemi na ba mikuwa na mokongo, ma bote zali ya kopanzana. De mariages mal unis. Ma balo esangisama mabe. De mariages illégitimes. Ma balo elongo bana na liloba te. Église wana ezali ko tengama. Ecclesia wana tengama. Église, on les a côté. Quand dans une église, il n'y a que des gens qui se sont mariés n'importe comment. C'est de la puanteur aux narines de l'église. Ils peuvent chanter. Cette église-là est morte. Église, on les a à Kokoufa. La bonne marche d'une église dépend de la santé des foyers qui forment cette église. Alléluia. La bonne marche d'une église dépend de l'état de santé spirituelle
spirituel d'un foyer. D'ailleurs, dans la prédication l'union, l'unité, l'unité, frère même dit que les unions qui sont mal faites, c'est la cause même des maladies. Les unions qui sont mal faites, c'est la porte aux démons pour entrer dedans. Alléluia. Amen. Donc, si Espérance peut comprendre ce matin, Espérance peut comprendre ce matin, que la bonne marche d'une église, pour qu'une église se tienne debout, les foyers, c'est la colonne vertébrale. Vous devez comprendre. Celui que Dieu a placé comme surveillant ne doit pas permettre que les gens se marient n'importe comment. Moi, je ne vois pas un pasteur sérieux qui met les mains sur n'importe quoi. Comme un prédicateur. Lui-même m'a demandé, il est allé prêcher dans mon église de Boya. Il dit même que les pasteurs aujourd'hui nous serons jugés. Nous avons laissé notre travail de consacrer les mariages. Nous commençons à dire que oh, il faut conduire les gens vers les mariages. Je me suis dit, mais il lit quel message? Sangonini attend que pour comme la décision. Sangomo Sangonini attend to attend que pour comme bongo koloba bongo. Le foyer c'est la colonne vertébrale. Libota yangone mokuwa na mokongo. D'une église. Ecclesia moko. Alléluia. Amen. Et lorsque la colonne vertébrale est malade, bitango mokuwa na mokongo sali kobela. Peu importe. Sinate tout ce que vous allez faire, la colonne est malade. Vous avez une église malade. Amen. Amen. Et le pasteur qui est le surveillant de l'église, c'est comme, vous voyez notre beau temple ici. Vous allez comment un temple dans la Bible. Ce sont ces colonnes qui soutiennent. Ezali makonzi oyonde simbi motondo yo. Tombuka kaka ba colonne pum 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 bokomona ka twatirwa ne ye. Ezindi. Eza bongo? Bongo. Alléluia. Amen. Donc, amen amen. Amen. Et vous voulez bolingi que le pasteur était mokengeli. Nous avons lu que Dieu a établi comme surveillant. Qu'il laisse les gens se marier dans l'église. Sans rien savoir de ce qu'il y a. D'ailleurs, Koutou. Où est mon petit sac là? Mon sac. Où est Zagina? Ah, il tika likuna. Ah, yagana na zogi yoko sanogi. Sanogi, sanogi. Quelque chose que nous lisons. Et là, comment quoi plutôt tangaka? Dans la cérémonie de mariage. Amenez un peu ça vite. Lulu yakubuli salibala. Je pense que le pasteur a lu ça ce matin. Na banze te mokenge la tangi ango na tongo na lelo. Alléluia. Amen. Un pasteur ne peut pas laisser des choses comme ça. Mokenge la que je lis ça et puis nous allons continuer. Na tanga ango pe sima tokokoba. On verra. Togomona, tokotala na ngonga. Très bien, tu étais rapide. Je pose juste, parce que j'avais déjà mené les cérémonies comme le pasteur. Je le croyais qu'il est, il avait voyagé. Dans les cérémonies, écoutez un paragraphe, c'est que le prophète dit.
Je vous demanderai à tous les deux. Amen. Amen. Et vous responsabiliserez. Comme vous répondrez certainement au jour du jugement. Lorsque les secrets de tous les cœurs seront révélés. Si l'un ou l'autre d'entre vous connaît quelques obstacles faisant que vous ne devriez pas être légitimement unis, voulez-vous le confesser? Afin qu'il vous soit assuré que Amen. Amen. Des couples qui sont unis autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légitime. Les couples unis, ou autrement que ne l'autorise la parole, c'est un mariage qui n'est pas légitime. Et le pasteur doit consacrer. David est déjà pasteur, qu'il le fasse. David a sa mokengele, a sa la bongo, a bouli sa. Moi je ne le ferai jamais. La Bible nous dit que faites attention quand on impose les mains sur n'importe quoi. Bible sali kolba ke baka kocha kamaboko pamba pamba te. Tu iras prendre une malédiction. Oko kamata bila teli mabe. La question réponse numéro 3. Na mituna pebi ya no motango na misato. Alléluia. Amen. Tu es capable de nous balancer ça? Question réponse numéro 3, paragraphe 160. Est-ce qu'on t'en a mon kama tout comme toba? Question réponse numéro 3, c'est 54, n'est-ce pas? Paragraphe 160. Quand on dit que le mariage appartient à la maison de Dieu, viens ici, mon fils. Yakawa. C'est un membre de l'espérance, non? Azali mon dimina espérance awa. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Que lui consacre, n'est-ce pas? Bongo ye abulisa yango. Mais il n'est pas de la maison de Dieu. Kasazali anda kunanzambe te. Tu t'occupes, tu fais quel travail ici? Au salam, salaminga. Tu entends les chants? Yok, no fan. Antoine, allez. Montu Amana. École de dimanche chaka. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Il est dit reconnu, je crois. C'est un office dans l'église. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Les dit reconnu, on peut le consacrer, n'est-ce pas? On a la ligue église qui m'a beauté. Tellement, il dit reconnu. Rédel, il y a le mariage à consacrer. Parce que bango bazo lo baté. Donc il peut consacrer le mariage. Mais le mariage appartient à la maison de Dieu. Il est de la maison de Dieu. Quand il y a un office. Kasi libali zali anda kuna nzambe. Ndeye azali pe anda kuna nzambe. Kutu asala ka mosala na mosala na nda kuna nzambe. Écoutez le prophète. Yoka mosakoli. Il répond aux gens. Ayano li bato. J'ai dit donc. Nazali kuloba boye. Vous avez été marié par les magistrats. Osela kobala na nzu sambola matadi. Vous auriez dû être marié par l'église. Osengela kinde kobala na na virgil. Liko. Par na Mokengeli. Église zo et zo lo bati. Ridel, bantoué baba, ou dit tout maman. J'ai dit donc. Nalobi poye. Avez-vous été marié par un magistrat? Nzouzi, ne a mal sali bala na yo. Non, non, il pose la question. Azo tuna motuna. Quelque part, il dit que c'est une erreur. Il dit que vous auriez dû être marié par l'église. Alors,
Virgile par le diacre. Virgile par le directeur. Par qui? Amen. Amen. Le mariage, c'est une colonne vertébrale dans l'église. C'est le pasteur qui le fait. Amen. Amen. Donne-nous la religion de Jézabel. Paragraphe 16 et 17. Donc tu es dans une église, au Bani Makambo Libala, pasteur a évité tout. Vous nous causez des troubles comme ça, pourquoi? Toutes ces bêtises-là ont des répercussions dans l'église. Frère Branham, il n'était pas dans son église. Frère, c'est pas dans son église ici. Il était à Middletown. Amen. Amen. Ce n'était pas dans son église. Et dans l'église, comme je suis arrivé là, il y a tant de choses que vous avez faites pour moi. Et j'apprécie cela. Maintenant, si je peux venir en aide en vous offrant un tissu sur lequel on a prié, ou autre chose, maintenant, ne me posez pas de questions sur la doctrine. Dites amen. Ne me posez pas de questions sur la doctrine. Car je ne désire pas faire cela. Beaucoup de gens m'écrivent des questions. Sur quoi? Sur le mariage. Les autres sur le divorce. Et ainsi de suite. Qui font l'objet de confusion dans l'église. Alléluia! Amen. Je les renvoie toujours en disant: posez la question à votre pasteur. Alléluia. Amen. Même si c'est le pasteur André qui vient ici, c'est notre ancien. Mais il a aussi son église locale. Ne lui posez pas les questions de doctrine. Les questions de doctrine posées au passé Riddle. Alléluia. Amen. Je leur réponds. Bon, il dit, non. Zongela na ba natanga bien. Zongela siko zakiona. Les gens m'ont écrit des lettres. Ici. Awawa. Et ont demandé. Beba siri kotuna. Qu'en est-il de ceci? Boni boni na likambo boye. Qu'en est-il de cela? Boni boni na likambo boye. Je les réponds. Nayano la kabango. Vous aurez cela. Bokozwaka yango. Voyez votre pasteur sur les petites choses là-bas. En effet, après tout, c'est lui votre berger. Puis-je continuer? Vous voyez, c'est lui que Dieu a envoyé
Vous voulez vous marier? C'est le pasteur qui doit veiller. Vous avez des problèmes, ça ne va pas dans le foyer, c'est le pasteur. Alléluia. Amen. Il dit que il se peut que nous soyons en désaccord à ce sujet. Moi, je vous donne ma réponse. Qu'ensuite cela crée de la confusion dans votre. Nous ne voulons pas de cela. Alléluia. Amen. Les questions sur le mariage. William dit, voyez votre pasteur. C'est lui qui doit veiller sur ça. Parce que c'est lui qui doit vous marier. Alléluia. Amen. Et lui doit veiller. Parce qu'il a la connaissance que ce mariage sera une des colonnes vertébrales de mon église. Je dois veiller pour que ce mariage soit bien fait. Que cela devienne une des colonnes solides. Il ne peut pas accepter n'importe quoi. Alléluia. Il doit veiller et vous conduire pour que la chose se passe conformément à la parole. Oh, pasteur Azo Tchanga Bakar. Oh, Mokenge Lazali Kobo Yanabala. Hein? Pasteur Azo Tchanga Bakar. Mariage et divorce, paragraphe 198. Libala Peko Mama Libala, Eska Kotanga Mokama Tukulbana Mwambe. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est là votre femme, et vice versa, c'est là votre pour le reste de votre vie. Voyez, par contre, c'est que l'homme unit, n'importe qui peut. Voilà pourquoi quand le pasteur veille, il ne veut pas que ça se fasse selon son sentiment. Ou que ça se passe selon sa vision. Ça doit se faire selon la parole. Alléluia. Mais ce que Dieu unit. Branham dit que Dieu est la parole de Dieu. Dieu est ce que sa parole. Alléluia. Ce que Dieu unit. Aucun homme n'ose y toucher. Ce que Dieu unit. A-t-il dit. Aucun homme ne le sait pas. Je peux continuer. Pas ce qu'un magistrat à moitié ivre. Nicolas Bozou qui me le mingi na ba commune. Eh, toi qui est de commune, mariage civil. Namitunaka, qu'est-ce qu'il y a derrière? Natunaka, nini sa timawana. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que le motif égoïste était? Moi, je suis allé à côté de la vie. Ah, pour la nini. Ce qui est à oué, moi, je suis allé à Tigalina, ma camionneuse. Yo ozo bali sa mwana na yo déjà ozo moné là mobala ye liwa. Alléluia. Nalo bona lo baté. Bitumba oyo oh pasteur frère alingi toke na communauté. Ye langai ma communauté ngai na kolandela ngo frère bo ke na commune. Ma communauté za wapi? Nga musala nga na tala so ki se conforme à la part. Je m'arrête là. Na sokeli wana.
makambo ya komi le talibino boyokani bosali boyokani te talibino otoke ne pas pasteur ngai na lobake boke na komi derrière chaque chose il y a un esprit fonga pena yeba ke frère ozobunda boye pona komi pona nini. Est-ce que c'est une recommandation du prophète? Et c'est l'éternel dans mon sacoli. Bien aimé. Balingami. Ton comique au copier monde makasi. Nous imitons beaucoup. Ton comique comme Kola Mingi. Nous imitons beaucoup le monde. Vous allez comme Kola Mokine Mingi. J'ai vu quelque part dans le message. La femme est morte. Et on a fait toute une cérémonie. Le désengagement. Pour enlever la bague. Cérémonie mounene. Tu as vu aussi? Mais la Bible dit, lorsque l'homme est mort, par la mort, la femme est affranchie de la loi qu'il a liée à son mari. Vous copiez les dénominationnels. Vous ne savez pas dans quel esprit ils ont institué ça. Parce que... Bon, excusez-moi. Chez nous les balouba. Bon, chez vous les balouba. Bon, peut-être la passer à la bise chez vous. N'a peine à m'y la carte. Chez nous les balouba. Et pas la bise au balouba. Ce qui m'a balé est koufi. Koufoule le fouil. Mana, où tu t'en es, peut-être où est belle? Yo, Zaka, quand a pété, na yo, yo, na mon sapi. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Parce que la mort de ton mari a déjà coupé tous les liens. Et là où ton mari se trouve, son esprit ne peut plus sortir et revenir. S'il sort, alors tu étais marié à un païen. Et nous commençons à faire des histoires, des engagements. Parce que nos amis de les églises de réveil, ils font ça. On amène la Bible, toute une cérémonie. Fukama. Celui qui travaille là, c'est l'évêque général international. Prophète, l'évêque général international. L'évêque général international. Ce n'est pas la Bible. Il vient avec la Bible. Alors, maintenant, il dit, il prie d'abord. Avec l'autorité du nom de Jésus. Que l'esprit de mort ne peut plus revenir sur la scène. En tant que ton serviteur, j'entends le Jésus. Et il amène. Il dit maintenant,
Je retire la balle. Terminé. Et si l'évêque international a coupé les liens. Épiscope Mokili Mobimba Kati Singa. Il coupe un lien que la Bible a déjà. Akati Singwa Pibibili ici et Kata. Bouti Gabiso libre. Pasteur, venez me voir. Pasteur, venez me voir. Mokengeli Akabo. Ozo Bangani. Tu crains quoi? Tu as peur de quoi? Moi je connais dans ce message des sœurs Bouhou le Loufil, je connais. Alléluia. Maintenant, frère, on me dit. Parce que magistrat à moitié ivre. Et Kimi? Ah, c'est toi qui balance. Non, c'est derrière là. Bon, que je lise ici. Vous avez un problème de connexion? Le câble a fait quoi? On a bougé. Bon. Je vais lire. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est la votre femme et vice versa, c'est la vôtre pour le reste de votre vie. Par contre, c'est que l'homme uni, n'importe qui peut le séparer, mais ce que Dieu unit, c'est que Dieu unit, a-t-il dit, qu'aucun homme ne le sépare. Pas qu'un magistrat moitié ivre, ou quelqu'un d'autre a joint. Maintenant, on arrive là où j'aime. Ou un prédicateur, vous entendez? Ou un prédicateur avec un tas de credos dans un livre qui laisserait les gens faire n'importe quoi alors que la parole de Dieu est là devant lui. Est-ce que l'église peut dire amen? Église, amen. Lorsqu'on dit que le pasteur doit veiller, c'est-à-dire, il ne doit pas les gens laisser les gens se marier n'importe comment. Alléluia. Amen. Alors qu'il a la parole de Dieu, il doit veiller pour se rassurer. Si les gens qui se marient le font selon la parole, Branham dit, s'il laisse les gens dans une église se marier n'importe comment, c'est un prédicateur. Vous voulez que Rudel devienne rétrograde? Il doit veiller. Il doit veiller. Pourquoi? Parce que le mariage qu'il va unir deviendra une colonne vertébrale dans l'église. Et pour la bonne marche de l'église, le pasteur doit se rassurer que la colonne est bien solide. Il doit travailler comme un maître maçon. Alléluia. Il doit travailler comme un maître maçon. Mettre suffisamment de sacs de ciment et suffisamment de gravier pour que la colonne soit solide. Acceptez-vous que je lise une citation?
Et après lecture, je vous pose une question. Bokoki konimete na tanga likomi moko simana litangi na tuna bino motuna. Je dis, acceptez-vous que je lise? Bokoki konimete na tanga. Après je vous pose une question. Simana tuna bino motuna. Les noces de l'agneau. Makwela na mwana mpate. Paragraphe 42, 43. Et sika kotanga tukumi na misato. Je lis puis je vous pose une question. Nazali kotanga pe simana tuna bino motuna. Boyoka. Suivez. Si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme. Ce qui moi si a kengemi na mobali na bosolo nyonso ya motema te. Ce dernier n'est pas mobali oyoyo aza mobali na mwaso yo te. Si zongela frère nga na za ku sepela na bino te. Na zo tikala bino bali po boloba. J'insiste, ce qui na tiki boloba. Si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, ce qui moi c'est à quel niveau la bosse mon yon somme thème n'est pas dans mon bali. Alors ce dernier n'est pas. N'a pas moi mon bali yo yo à za mon bali na moi yo yo te. Talaga galika. Par défaut de sincérité. Par défaut de franchise. La parole dit que ce n'est pas son mari. C'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu. Est-ce que vœu est salami? Oui. Et salami, non? Brana me dit. Brana m'a lobby. C'est seulement un homme à qui elle a fait un vœu. Qu'elle vivrait avec lui. Et elle a donc fait un faux. Et ce homme-là n'est même pas son mari. À cause du faux vœu. Mais il faut que je bénisse ça, non? Car c'est ce que je veux dire. Il faut que je bénisse un faux vœu. Que je bénisse un faux vœu. La parole me dit même que cet homme n'est pas son mari. Et moi je dois bénir. Parce que moi je suis Kambajaoja. Est-ce que moi j'ai un ciel à amener quelqu'un ici? Nous finirons au bout de nous faire tout le monde. Pas jeune, j'en ai tout le monde. Amen. Je vous ai posé la question. Dois-je consacrer le mariage d'un faux vœu? Pour être agréable à qui? Bona sepelisa nani. Dieu dit même que cet homme n'est pas son. Zambe kutwali komete mobalo yazali ya yete. Yango tozo kama pa makambo ezo lekana. Pasteur, mais que faut-il faire? Bongo mokengele sengeli kosala nini? Vous allez voir comment Branham faisait. Bongo mona nenga Branham ala kosala. Alléluia. Amen. Le choix d'une épouse. Na lité ya mosoko likopona mwa selibala. Paragraphe 77. Iska kotanga tukusamba na sambo. S'il vous plaît. Tuku na combien sambo. Bona? Bo na sambo. C'est le choix d'une épouse. Ah, oh là là, hein? Donc, vous avez la parenthèse, vous avez 77 et la parenthèse. Parce que je pourrais lire. Bon, ceux qui ont autant d'angoisse, on peut retrouver facilement, non? Tu as autant d'angoisse. Donc, c'est là où Frère Branham est en train de consacrer le 78. Toko Sambona Mwambe. Vous savez que dans le choix d'une épouse, je vous ai donné le choix d'une épouse. Qui travaille? C'est le choix, hein? C'est vous. Ils sont au fond. Ah, bien aimé.
Écoute, 94, hein? Ah, ok. Chez toi, c'est 94, semble-t-il. Ah, ok, il sortit de la voiture. Mata, tokende, tokende, tokende. Ok. Tokende, mata, susundeko. Tokende, ce qu'on visite, c'est un dégoûté. Matal juste mon gars, 76. Ok. Amen. Amen. Donc, 96. On a la traduction là. Donc, c'est-à-dire, Frère Bram voulait consacrer un couple. Ce n'était pas les gens de son église. Ils sont en train de veiller et il y a 10 minutes. Quand ils sont entrés dans son bureau, écoutez ce que Frère Bram dit. J'ai dit très bien. J'aimerais vous parler un petit peu avant de célébrer ce mariage. Son frère Doc lui avait dit qu'il y a un couple. Parce que dans les dénominations en Europe, pour consacrer le mariage comme le pasteur l'a fait ce matin, il faut payer le service. Alors là où le frère de Frère Bram Doc travaillait, il y avait un garçon qui voulait se marier. Il a dit à Frère Branham, j'ai tout pour mon mariage, sauf que j'ai manque l'argent à payer au ministre. Et donc lui a dit, mon frère, ne fais pas payer pour ce genre de choses. Je ne sais pas si Rudel fait payer. N'habitez ce que Rudel a senga camisolo. Bandano le promet zate. Barceloni. C'est pour blaguer. Amen. Amen. Et il a dit qu'il vienne. Alléluia. Amen. Les citations, oh, la frère montre comment leur voiture est arrivée, comment ils sont descendus, comment ils sont entrés. C'est pour gagner le temps. Maintenant, ils se retrouvent à trois au moment de la consécration. Pouvez-vous me donner un amen? Écoutez, Frère Bram, la première chose. Il dit, j'aimerais vous parler un petit peu avant de consacrer ce mariage. Et ils se sont assis. Pourquoi voulait-il les parler? J'espère que vous êtes spirituel quand même. D'accord, vous comprenez pourquoi il veut les parler? Vous. Pourquoi il veut les parler? Bon, le diacre n'est pas prêt. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi? Ah, alléluia! Il veut causer avec eux pour se rassurer. Si dans leur réunion là, les choses sont en ordre. Parce qu'ils ne pouvaient pas consacrer n'importe quoi. Ils sont entrés. Au lieu de consacrer. Mais c'est comme. Il dit non. Mettez-vous d'abord. Je dois d'abord causer avec vous. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dans ta version ici. Montez un peu en haut vers 90. Montez dans 80 quelques. Ok. 88. Bon, tout le monde est là. Comment ça s'était passé un peu avant?
Donc dit, c'est le frère de frère Branham. Mon frère est prédicateur. Il accepterait peut-être de vous marier. Il ne fait jamais payer les gens pour ce genre de choses. Frère. Il a dit, voudrais-tu lui demander s'il accepterait de me marier? Eh bien, ce soir-là, mon frère me l'a demandé. Frère Boyoka, j'ai dit, Al-Nabi, s'il n'a jamais été marié auparavant, parce que nous ne consacrons pas le mariage d'un divorcé. S'il n'a jamais été marié auparavant, ni l'un ni l'autre, et que espérance, et que tableau, il y a une église, il y a une église, est-ce que vous avez un peu? Ils ont raté. Ah oui, je m'excuse. Vous êtes pardonné. Hein? Malbinini? Est-ce flou? Ah, je vous comprends maintenant. Oh, église, pardonnez-moi. Alléluia. Amen. Frère Brem dit, s'il n'a jamais été marié auparavant, ni l'un ni l'autre, et que tout est en ordre. Tout est en ordre. Donc, lorsque le prophète, quand ils sont arrivés, et qu'il a voulu causer avec eux, c'était pour se rassurer. Est-ce que tout est en ordre dans ces mariages? Le pasteur Mokengeli doit-il vérifier oui ou non? Atindami kolandela yango iyo tote. Ah, ndekomo kwa zolala. Lala na bien. Ah, zolala te. Merci. Et égale 5 minutes. Amen. Amen. Bien-aimés frères. Balingami bandeko. Le pasteur Riddle dans cette église. Mokengeli Riddle dans le samboy. A le droit de vérifier. Azali nandingi sa ya kolandela koyeba. Déposer des questions. Ya kotuna mituna. Pour voir si les choses marchent. Bona komona to koyeba soki makambo ali kotambola malamu. Et peut-être nous le verrons le jeudi. Quand ils se sont assis, je réserve ça pour le jeudi. Vous allez entendre les questions qu'ils leur posent. Même des choses que vous ne voulez pas qu'on vous demande. Il a demandé à la fille, tu as quel âge? Parce que moi, je ne marie pas une fille à moins de 18 ans. Je ne marie pas. Oh, pasteur Azo Changakal. Oh, tu m'amènes une fille de 14 ans. Nakocha Yokal. Parce que ils ont âge qu'à Kobalati. Nakocha Yokal. Naïte l'iloba et gocha yo kal. Amen. Amen. Vous allez entendre Frère qui demande au garçon. As-tu une maison où l'amener après l'avoir marié? Si manayo kobala mwano ya mwasi, ozananda kwa komemaye. Frère, mote mama kasi boye. Ozola la na salon ya 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 na yo. Ozola la na salon. Papa si kombonga ite diakre na bino alobi Salomon. Donc, yo za Salomon, o lingi mwana bato za la paix Salomon lukula yo. Mais non. Ça, même les parents peuvent se dire, mais comment pasteur Kam accepte que ce frère se marie, un frère qui dort dans le salon de son frère? Ateko
Pakoti na mwana mwasi bakoy komi tuna ndekeni mokengeli kam andimete ndeko mbalo aya kopala azali kolala na salon ya ndeko ne mobali wala serie na nganyo se na ba age na lobi 43 nyoso ekwei pum ndengeni ni alo dia sala 43 sala message ako permettre mwana na ngaba ke dolala na salon hein mama ko ba ya kubenesha Branham Azotuna, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pasteur Jini Jitabouj. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Bon, la foi aussi, c'est la parole. Mais nous avons fait un pas. Parce que les œuvres sont la manifestation de la foi. Mais t'as mis ça au sommet, nous avons salué pendant que nous avons d'autres et 5 10 ans. Et encore, nous avons dit que nous avons avancé. Ceux qui ont doté, nous avons salué. Et ça, c'est ma expérience. André Wana, j'étais diacre là-bas. Frère, c'est là qui veut. Nous avons dit que nous avons doté, nous avons dit ceux qui ont oh, vous êtes incrédule. Diacre, vous êtes incrédule. Une année, diacre, vous êtes incrédule, deux ans. Ceux qui m'ont dit, mon pasteur, pasteur à Tindi, diacre, si vous n'avez pas la foi, laissez-moi libre. On l'a laissé libre 10 ans. On m'a dit, vraiment. Désormais, si un frère n'a pas doté, il ne va pas faire le vœu. Bon, fin, on n'a pas dit, ceux qui ont doté, on conseille la vérité. L'obandengue ou l'ingi. Osa libre, n'gapé n'aza libre. Alléluia. Amen. Bon, je dois tenir ma parole. Natinami kosimba malobanangai. Togotele ma awa pon alelo. On va arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer le jeudi. Tokokoba mokolona minei. Pasteur, tu m'excuses, hein? Moi je pars directement dans mon église. Église, on se verra le jeudi, que Dieu vous bénisse. Enlevez ça. Nous allons tous prendre la position de la prière. Tous le lingé, ensemble là. Je prie toujours.
place-moi, Seigneur, au lieu. Oui, lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel.
Nous chanterons doucement ces petits cantiques. J'aime si décidé de suivre Jésus. J'aime si décidé. Jésus, je suis décidé de suivre.